تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. ما شاء الله عليك. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام، يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، Allah Akbar, Alhamdulillah, comme vous le savez, on a un lieu de culte qui ne peut pas accueillir, bien sûr, pour Salat l'Aïd, mais dans lequel on fait Salat al-Jumu'ah et Salawat al-Khams. Mais on essaie de voir plus loin, c'est-à-dire pour les générations à venir, on a un projet de construction. Barakallahu fikoum. Ce projet, il a été soumis à des architectes et c'est un projet qui est évalué autour des 4 millions d'euros. Par rapport à la surface, c'est un projet modeste. Et le mot d'ordre, c'est la sobriété, la simplicité et la fonctionnalité. Mais on se motive. Mais c'est là on appelle vraiment l'eau pour la construction, pour pouvoir poser le projet. Et on souhaite récolter la somme de 1 million d'euros. Une fois qu'on les a, bi'idhnillah samil alim, on se lance et on pose le permis de construire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que celui qui participe à la construction de la mosquée, ne serait-ce que la taille d'un nid d'oiseau, à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala construit pour celui qui a donné l'argent pour cette endroit de nid d'oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison au paradis. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous devons renforcer les liens de parenté et les liens d'amour avec notre famille, nos proches, nos amis, nos voisins. Nous devons faire de notre Eid une fête dont les enfants se rappellent la joie, le plaisir et le bonheur, et dont les adultes se rappellent la fraternité, le rappel d'Allah et la reconnaissance de ses bienfaits, et dont les nécessiteux et les pauvres se rappellent l'aisance et la facilité, et dont les riches se rappellent la générosité et la bienfaisance. Mes très chers frères et sœurs en islam, vous faites partie de cette umma, de cette communauté, et chaque membre de cette umma, et particulièrement les jeunes, et Allah subhanahu wa ta'ala sait combien j'étais content pendant Ramadan. Beaucoup de jeunes ont fréquenté la mosquée pendant Ramadan. Walillahilhamd. Donc je m'adresse
surtout aux jeunes de cette Ummah. Nous devons constamment travailler pour se rendre meilleurs et pour être utiles à la société dans laquelle nous vivons. وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وقوموا يهنئوا بعضكم بعضا وإلى العام القادم إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم N'oubliez pas de vous inscrire pour le projet de la mosquée de Zakumlaqé. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا.